tous. Bon, on est parti. Il est 13h, vendredi. On part pour chez Greg. On va aller découvrir un nouveau territoire. Cette fois-ci, comme vous pouvez entendre derrière, j'ai amené les chiens. Donc, j'ai amené tous les pets. Les autres, ils sont jaloux. Bon, ils vont quand même sortir les collègues ce week-end, les autres. Là, j'ai amené tous les pets. Je pense que Pollux, il va quand même se calmer parce qu'il y a quand même 4h30 de route. On va chasser sur le samedi et le dimanche. Voilà, sur deux journées. Donc, le samedi, ça se passait dans les Cévennes. Et le dimanche, en Camargue. Donc là, je vais aller chercher le Garcia, le Bruno Garcia qui va me suivre. Et voilà, on part en aventure avec chiens. Donc, c'est la première fois que je pars avec des chiens aussi loin. Voilà, je suis pas allé le plus loin où je suis allé. Ça va être le plus loin. Une heure. Donc voilà, là, c'est 4h30 de route. Donc, il y a un peu plus de route à faire. Voilà, on va voir comment les chiens réagissent après... après tant de routes, dans différents biotopes, surtout le dimanche à Camargue, dans l'eau, les marais, tout ça. Donc on va vite voir comment les chiens réagissent. Me tarde, tout est prêt. Là, j'ai assez d'affaires pour deux semaines. La priorité, c'était les chiens, ils ont de quoi manger pendant deux semaines, boire pendant deux semaines. Et nous, c'est secondaire. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je vous filme tout ça. Si vous êtes prêts, c'est parti. Les chiens Greg, ils sont chauds, les miens aussi. Donc là, on est dans le brouillard. Donc en fait, on est monté. On est arrivé donc dans le brouillard. Là, on chasse, il n'y a pas le brouillard. Donc normalement, ça va pas bouger. On me tarde. Franchement, en montant là, c'était magnifique. Bon, il faisait un peu sombre, donc on n'a pas trop vu. Mais voilà, dès que le jour s'est levé un peu, on a vu le relief. C'est sublime. Me tarde de mettre les chiens, donc là on va faire plusieurs attaques, les chiens vont se séparer un peu et donc moi je vais être tout seul avec l'épée, donc là on va tout lâcher. Donc, ils ont beaucoup de saignées, ils sont à 165 nids, très peu de chevreuil et une biche qui traîne sur tout le territoire, donc franchement c'est vraiment que du saignée. Donc il va mettre en attaque où on peut faire un peu de pied, mais il n'y aura pas non plus énormément de rapprochés. Ça va être très vite, normalement très vite levé. Après, qu'est-ce que j'attends moi des chiens? J'attends que voir s'ils vont chasser comme chez moi. Bon, là, je pense que le biotope est pareil à peu près que chez moi. Bon, il y a beaucoup plus de relief. Mais après, voilà, c'est châtaignier, c'est assez ouvert. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence sur ce côté-là. Après à voir comment ils réagissent après la route, là on est à après 500 bornes on a fait avec les chiens. Là aujourd'hui il fallait faire 50 minutes du gîte à ici. Donc voilà, ils ont fait pas mal de trajets et voir comment ils chassent après la route. Mais là ils ont entendu d'autres chiens, ils sont sur les nerfs, donc normalement il n'y aura pas de problème, ça devrait le faire. Voilà, comme vous voyez je tourne en rond parce que je suis chaud. Très peu dormi, j'ai pas dormi hier soir, voilà tout simplement, entre le copilote qui faisait que ronfler et l'adrénaline, encore une fois l'adrénaline, dès que je fermais les yeux, j'imaginais déjà la journée en place, donc voilà, j'ai pas la pression, la bonne pression, ce soir c'est sûr je vais bien dormir avant demain à la Camargue, mais voilà, donc me tarde d'y être, je vais vous filmer tout ça et j'espère vous montrer de belles images, c'est parti. Ouais. La limite en fait c'est simple, de ce côté c'est la route goudronnée. D'accord. Donc dès que ça saute la route goudronnée, tu vois que le loup il s'en va. Ouais. Sors du bois, ça sert plus à rien. Ouais, ouais. Tu sais que tu vas chercher. T'as attaqué ce matin, j'ai même vu les vlogs et tout. Peps, t'es prêt, tu vas t'amuser, ouais, je te
fait mal. Oh fiston. C'est bien, tu vas t'amuser. On va s'amuser aujourd'hui. Non, tu attends. Attention, hein. Eh bien. Allez dedans. Et non, Pollux. Pollux. Que Pollux, c'est bien. Ah fils. Ça va fils. Non, tu attends. Attention, hein. Tu obéis. Ça va les petits, hein. On va tout chasser ensemble, en équipe, en famille, nos territoires, entraider, hein, popo, on vous entraider, travailler, un travail d'équipe, mon fils. Et bien, gros tout temps, ça va bien dormir ce soir, hein, on va bien dormir ce soir. C'est ton plaisir, fiston. Allez, c'est parti. Première attaque des Cévennes. Doucema. Doucema. Allez, on pisse, on chie. T'as mon fils, Mastis. Ça va perdre perle. Allez. Doucema. Doucema. Venez là. Venez là, les petits. Et là, ça descend, là. Hein. Allez, petit. Doucema, perd perle. Allez, doucema. Doucema. Celui-là. Là-dessus, là. Doucement, ma pépère, là. Alors, il m'a dit de suivre en descendant. Et il y a une maison en bas. Juste en dessous de la maison, il y a une ligne. Là, ils y passent très souvent. Donc, voilà, on va suivre ça. Doucement. Qui prend une voie, c'est une voie. Doucema, oui pépère, oui. Là. Ça y est, ça là, les petits là. Ça fait plaisir de les avoir tous tachés là. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais à la maison, donc c'est vrai que ça fait énorme plaisir de voir tous ces avoirs dehors. Il manque déjà peps. Yep, yep, Pepsi là, 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 là. Yop, 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 yop. Là. 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 Mais oui. Faire pipi et tout ça, c'est normal. Tout temps de route. Il ou Peps. Yep, Pepsi, hop, Pepsi là. Eh hey, petit, yep, 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 yep. Sur moi, hop. Mais là, hop, père perle, là. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. C'est dommage qu'il y a ce brouillard quand même. Allez, petit, là. Voilà.
Yep, yep, yep. On a encore mis en dessous la maison, donc ce qu'il me disait. Il faut que je descende et... Je vais descendre là, je suis trop haut je crois. Pour l'instant il n'y a pas de voie. Donc on va continuer, on va descendre un peu plus dans la vallée. Et, mais pour l'instant voilà, j'ai pas encore de voie. La voie est bonne là. Là 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 là, princesse oui. Oui princesse oui. Qu'est-ce que c'est la princesse la Fifi là? Là la princesse là. Là là là, je vais se monter là. Là 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 là, sur moi. Truc 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 truc. Oui descend mais... Là 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 là. Oui. Oui. Yeah 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 yeah. Allez popo allez. You popo you. Et où c'est toi? Là là là. Pepsi donne aussi. Oui petit oui. Là 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 oui. C'est pris la branche. C'est pris. Oui là oui. Bon il faut qu'il monte là. Parce qu'il nous voit par ici. Là 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 là. You 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 you. Perle sur moi, perle sur moi. Perle là 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 là. Là popo, démêle, démêle. Des mères, oui, Paco, oui. Oui, là, oui. Il n'y a pas. Là, là, là. Des mères. La voix est bonne, mais. Des mères. Hé, 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 hé. Ah, descend, descend. Oui, Peps, oui. Ah, là, 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 là. Là. Là, il doit l'avoir par là. Il s'est arrêté comme ça. C'est signe. Mais non, non, ça se passe où il y a perle. Là, là, il va. Oui. Oui, Popo, oui. Sur Popo, sur Popo. Oui, là, Popo, oui. Aïe, Paco, oui. Oui, Paco, oui. Aïe, Peps. Aïe, Peps. Aïe, Peps. Allez, la pastille, ça. La princesse, là, 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 là. Là 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 là. Allez petit là. Impeccable, il vient de lever. C'est ma petite princesse qui est allée toute seule. Elle a quitté la voie. Nous on avait une voie compliquée en haut. On ne pouvait pas l'exploiter. Donc voilà les chiens, ils ont fait un bon travail. Là, ils ont levé devant moi. Donc je vais aller au point de contact. Si elle me ferme ou quoi. Donc là je vais tirer que si c'est au ferme. Mais si je crois qu'on a le droit de tirer à la traque, mais après il faut le remonter le cochon. J'ai pas trop envie moi. Voilà ils l'ont là. En plus ça a levé l'autre côté aussi. Donc là on a déjà au moins deux menées levées. Ah mais tu m'étonnes, ils étaient là-dedans, mais oui. Je suis passé à côté de ça quoi. Impeccable. Allez, c'est parti. Bon les premiers sangliers Cévennes levés. Je suis très content, la petite princesse au ferme 15 minutes. Là, juste en dessous, là, il y a des ronciers. Ils étaient dedans. Là, des chiens sont ameutés avec d'autres chiens. Ils commencent à avoir une belle musique. Voilà. Là, réaction à chaud, je bande. Tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on continue. Mais là, qu'un régal. Un régal d'être là. C'est là où. On est content d'être là, on est content d'avoir fait 5 heures de route. Une heure de plus ce matin, pas dormi hier soir. Tant à les chiens remuer là dans la vallée. C'est bon quoi, c'est que du plaisir. J'en prends plein les oreilles, plein les yeux. C'est vous filmer si j'en vois de près. Bon, tous les chiens sont ameutés. Ça tirait plus loin,
Je ne sais pas s'ils l'ont eu. Mais voilà, tous les chiens sont ensemble. Ça commence à se lever, là, le brouillard commence à se lever. On commence à voir un peu plus. Et voilà, donc en tout cas, tous les 6 chiens ils sont ensemble. Ameuté. Je vais aller vers la voiture parce qu'en fait ici, on m'a expliqué, voilà, une fois que ça part de l'enceinte, bon, bien sûr, il faut récupérer les chiens. Mais voilà, je ne sers pas à grand chose dans la traque. Donc je vais aller à la voiture. Je vais regarder au GPS où vont les chiens par rapport aux routes. Et puis voilà, donc là ils sont tous ensemble, tous ameutés. Donc là j'utilise le GPS parce que je ne connais pas l'endroit et je sais que si ça saute la route, il faut que j'y aille. De toute façon, je vais aller vers la voiture là et voilà. Mais bon, on en prend plein les yeux. J'ai pris un petit moment là d'écouter les chiens, me régaler. Et voilà, c'est simple, quoi, bon, simple la chasse. Voilà, non, la chasse n'est pas simple, mais c'est simple plaisir. Voilà ce que je veux dire. Les simples plaisirs d'entendre des chiens aboyer dans les bois, c'est qu'un bonheur. Allez, direction la voiture. Là, j'ai les chiens en face. Là, c'est beau quand ça résonne. Donc Paco, il s'était séparé, il était avec d'autres chiens. Donc je vais les récupérer parce qu'il ne menait pas. Au moins comme ça, voilà, tous les autres chiens ils sont sur cette menée-là. Je pense pas que je vais pouvoir le rebrancher parce que bon, vous avez vu où c'est. Mais je vais les suivre à la longueur de route et puis à protéger les routes. Bon, même les routes ici, c'est la plus grande route. Hein. Donc on est plutôt tranquille pour ça, c'est magnifique. Je m'arrête quelque part et puis on prend plein les oreilles. Allez. Pepsi 26 dans leur petit jus. Vous avez leur petite chasse. Maintenant, j'ai descendu là. Il faut qu'on y remonte. Ah, ils étaient dans le bas-fond là. Il y a des pieds un peu partout et. Et ils étaient ensemble, je les voyais faire, ils venaient par terre, ils cherchaient. Donc, mais bon, on les arrête, on va les économiser pour demain. Parce que demain, on va avoir besoin de toute l'énergie possible. Maintenant, putain, plus qu'à monter là. J'avais le gilet à Pepsi, ça l'énervait. Allez. Ah, ça grimpe. Les Cévennes, ça grimpe. Ouf. Bon, fin de battue. Je ne trompe pas de chemin quand même pour rentrer à la cabane parce que si tu te perds, t'es fini, c'est fini pour toi. J'ai même cru retrouver quelques cadavres au fond des ruisseaux, des pauvres chasseurs de Dordogne comme moi qui arrivent dans des endroits comme ici où tu te retrouves. Dans des endroits, j'ai même pas de mots. Je suis fatigué mais heureux. Un homme heureux et fatigué ne trouve donc pas les mots. Franchement, ouais, je me suis régalé. Alors, en termes de contenu de vlog, pas grand chose. Il manque peut-être 2-3 éléments. On va changer de menté. Non, on va pas changer de main, on va rester là. Manque peut-être 2-3 éléments sur le travail du chien, mais bon, c'est allé très très vite. J'ai pas pu être là tout le temps. Oh, on m'appelle. Chut, les gars, je suis sur le vlog, c'est Bruno. Le mec qui m'a empêché de dormir tout hier soir. Tu attendras, Bruno. Tu attendras parce que tu m'as. Putain, je vous promets, j'ai pas dormi une minute hier soir. J'ai pas dormi une seule minute hier soir. Bref, donc, avec la fatigue, tout ça, j'arrive pas à suivre les chiens. Je suis pas les chiens. Bon, les chiens, ils sont de l'autre côté du versant. Ça lève, je vois pas le sanglier. Greg, c'est. Yannick le tire, pense avoir blessé. À partir de là, je reviens à la voiture, je prends la voiture. Et en fait, après, j'étais toujours en périph' autour des. Bon, il n'y a qu'une route autour de ce grand massif. Et donc, je survis les chiens, tout simplement. J'ai écouté le travail qu'ils pouvaient faire, etc., etc. Le dernier trouvé, c'est Monsieur Pollux. Bon, il faut pas se le cacher. Je ne vous le cache pas. Si vous avez des chiens qui partent, ceux qui s'arrêtent en premier, bon, ça n'est pas bien sûr s'ils ont beaucoup chassé la veille ou ils ont une ancienne blessure ou la vieillesse, etc. Bien sûr, mais s'ils sont tous du même, à la même portée, comme là, tous les P, le pastis et le Paco. Bon, Paco, non, Paco, ce n'est pas de sa faute. Il s'était rameuté avec une autre meute, mais ils n'avaient pas levé. Ils suivaient l'autre meute, il n'y avait pas de problème, je pense. Voilà, ils auraient levé, ils auraient suivi, il n'y a pas de problème. Donc lui, je l'ai arrêté, mais Monsieur Pastis, tête en l'air, il regarde les papillons des fois, et voilà, il a pris un retard, et du coup, j'ai dû le prendre. Mais après, tous les autres sont restés ameutés jusqu'à la fin. Perle, normalement, c'est une braleuse, et bien elle a chassé jusqu'à la fin.
donc très content et Pollux jusqu'à la fin, plus plus, hein. Plus plus, l'Antanéron prenait des voix et tout ça, donc là ils sont bien fatigués, ils vont bien dormir cet après-midi, je suis heureux, je suis content, comme ça demain, demain Camargue, mais là ils vont bien se reposer cet après-midi, je vais faire une petite sieste aussi, petit gueuleton ce soir, petit gueuleton entre amis. Et ouais, non, mais comme plaisir, voilà, c'est comme plaisir de venir découvrir notre paysage. Je vais essayer de filmer, je vais fermer ma gueule un peu. Excusez-moi si j'utilisais des termes grossiers, mais c'est pour moi-même. Je vous filme un peu, qu'on filme pas que ma gueule. Attendez. Ouais, j'ai acheté une nouvelle caméra, attention, sophistiquée maintenant. Chasse tricolore. Alors voilà, voyez un peu la gueule des Cévennes. Oh, c'est beau quand même. C'est vraiment beau. Voilà un peu le biotope. Bon, pour ceux qui chassent, c'est normal pour eux. Moi qui chasse toujours, presque, ouais, toujours en Dordogne, c'est différent. Alors est-ce que j'aimerais y chasser tous les jours, toutes les semaines? Tous les jours de la semaine. Non. Ou alors tu chasses que le matin, parce que c'est vrai que là j'ai passé 3 heures à récupérer tous les chiens. Non, j'aimerais pas y chasser tout le temps, mais c'est sûr que l'année prochaine, voilà, si Greg m'invite, je voudrais voilà, venir au moins 2-3 fois dans l'année. 2-3 fois, parce que franchement je me suis régalé. Ça m'a permis aussi de voir les chiens, le travail du chien. Là j'avais pas peur des chevreuils parce qu'il n'y en a pas, donc je pouvais tout mettre. Et là je peux voir un peu le travail des chiens. Bon, ça confirme bien que Paco, voilà, il fera pas le pied. Pastis, j'ai encore confiance en lui. Mais bon, ça va le prendre 2 ans pour retrouver la maturité. Bon, trouver la maturité, tout simplement, il est très jeune dans sa tête. Ensuite, voilà, Perle, pour lui, c'est rien dire, ils ont très très bien travaillé. On a pris une ancienne voix au début. Bon, bref, j'en ai parlé un peu pendant le vlog, je vais pas revenir dessus. Mais voilà, ça permet de voir un peu les chiens, un peu les comportements des chiens, comme Princesse avec potentiel. C'est encore Bruno ça, c'est encore Bruno, il insiste. Et donc voilà, non, c'est... Je me suis régalé, on est parti de là, on est parti de ce point-là, on est descendu. Et je me suis régalé, donc je vais arrêter de parler. Je parle un peu trop, mais aussi ça fait partie de la chose. Voilà, un échange entre vous et moi-même. Voilà, s'il n'y a pas trop de trucs sur le vlog, voilà, je veux aussi expliquer le pourquoi du coma. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite journée. C'est sûr que j'en reparlerai dans mes stories un peu plus tard pour refaire le point dessus. Mais franchement, à chaud, je suis très heureux. Super ce travail des chiens, très bonne ambiance. Voilà, rien à dire. Donc là, on va aller à la cabane, boire une bière et manger un petit coup. Et mon copain Seb, je viens de croiser, il m'a beaucoup conseillé, guidé pendant la journée. Et ouais, c'est franchement des mecs en or. Rien dire sur ça. Donc encore merci à Greg pour l'invitation et merci à toute cette société. Si vous regardez ce vlog, merci de votre accueil. Allez, on va aller boire la bière et se préparer pour demain. Demain, Camargue, la bise au chien. On va pas oublier le clocher quand même. On va pas oublier le clocher de là où on a chassé. J'adore, franchement, j'adore la pierre et tout ça. C'est, regardez tout ça. C'est, j'aime bien, c'est cru, c'est, j'aime bien, j'adore. J'aime bien. Thank you.
Allez, dedans, dedans, allez, dedans. C'est bien. Arrière. Pollux, que Pollux, que Pollux, j'ai dit. Fais si attention, hein. Oui, oui, oui. Dedans et arrière tout le monde. Non. Donc tu vas être bien à la maison toi. Oh ouais. On va voir. Ah si, tu vas me la donner. Allez vite. Allez ma grosse. Voilà, pour la monter là-haut par contre t'avais fait. Mais non. Allez. Si on fait gagne ou pas. Arrière. Attends, 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 attends. En arrière, en arrière. Elle a un collier ou pas? Ah ouais, j'ai tout. J'en ai un. Et t'en as, t'as suffisamment ou pas? Ouais, j'en ai pris 10, là, j'ai pris 4. Ah, la sécurité. On est bon. Ça va, mes petits gars. Hein, mes enfants. Allez, là. Et ouais. Oh, Sylvain, t'es prêt? Je suis chaud, là. T'es chaud? Je suis chaud. Allez. Les valeurs, elles sont là, dans la tête. Les cannes sont prêts? Ouais, regarde. Bon. C'est ce qu'il faut. J'ai du sucre pour le café, c'est bon. Impec. Le marais, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose à vivre. Ah!
Allez. Ouais. Allez popo et pied. Ouais, je vais essayer de prendre à droite un peu là. Je prends à droite. Ouais, ouais. Allez Batia. Allez là. Allez popo là. Allez. Pied. Allez petit là. Oui. Voilà, petit là. Bon, y est, dans l'eau, elle est fraîche. Voilà, on est jusqu'au genou, impeccable. Wouhou! Bon sang! On y est là. Putain, il était là, il s'était décalé encore. Eh oui, j'ai entendu, tu veux pas se laisser aller. Faut bader un peu, on aura le temps de les tuer, t'inquiète pas, il est. Même pas 10 heures. On aura le temps d'en tuer. Écoute. Non, l'autre là, tu l'as vraiment fait décaler, il est parti. Tu as vu? Hein? Là, je suis super bien, j'ai les pieds. Je suis bien là. Comme un canard, les couilles. T'es tombé? Non, mais quand je suis allé dans la grande eau là.
pour ça ce matin j'ai dit les bottes ça sert à rien. Et puis bon. Après tu vois c'est. C'est voilà, c'est un autre biotope. Moi j'ai vu un tour d'entente deux, trois fois, mais ça, je préfère aller au bois quand même. Ah bah oui. Parce que là tu traques, t'en vois jamais. Hein. Tu ressors comme un. Voilà. Donc ça va pour s'amuser de temps en temps, mettre les chiens, ils sont contents. Il y a du porc de tous les côtés. T'as vu l'une, elle est partie. Ouais. Ah ouais, mais t'as vu, ouais, c'est dingue. T'as vu dans quoi ils vivent ? Ça, je me régale là. Ils sont au cul de ce porc avec tes chiens. Ouais. Mes chiens. Bienvenue en Camargue. Eh, c'est Tani, t'es en Camargue. Ouais, Greg. Ah, t'es où toi? Ouf, on est où je sais. À l'est. Par rapport à ta voiture, t'es loué? Oui. Ouais. Prends sur ton 400 mètres. 484 mètres de ta voiture. 400 mètres, ouais. Pourquoi? Nous, on a fini l'ouest. Ok. On a fait remonter les cochons là-bas vers vous, c'est à peu près. Ouais. On remonte à l'est vers vous. Ok. On est sorti, on prend le chemin et on arrive vers vous là-bas. Allez. On est plein d'eau, tu dis. Il y a de l'eau, ouais. Ouais, c'est tous partis là. Faut qu'on sorte. Non, il faut rester dedans, il faut. Maintenant, tu restes dedans, mais je crois que tu es sur tes chiens. Quand ils sont sur la ferme, ça vaut le coup, tu vas. Ouais, ouais. Mais maintenant que ça cavale, tu crois que tu vas cavaler aussi vite que dans ce ferme. Ouais. Moi, j'aurais presque d'avis. Ils reviennent à l'est avec les chiens de Sylvain, de les attendre un peu. Ouais. Et au pire, on repart tous ensemble. Hein. Enfin, Ouais, oui. Ça tourne. De toute façon, maintenant les chiens, ça va tourner, ouais. Ça va tourner. Et s'il y a des fermes, il y aura d'autres trackers qui iront ouais. Dessus. Hein. Aussi, hein. Et, quand tu veux, oh, quand les porcs ils sont devant eux, tu crois que les chiens vont pas aller dans l'autre hein. Ouais. Quand tu es à 2 mètres de haut. Je sais pas, tu veux faire le pied rapproché que. Oui. Ils oui. Traversent pas, c'est pas la même chose. Mais nous, je demande de lui, on chassait vers le gardon. D'un coup, les chiens ils ont traversé le gardon, les cochons, mes chiens ils ont tous traversé le gardon. Ah ouais. Et il y avait du courant, les chiens se faisaient en porte. Oh.
pied, elle va se faire. Bon, le retour à la maison, la route fut assez longue quand même. Heureusement qu'il y avait l'ami Bruno pour m'aider avec la route. Mais voilà, on est reparti avec plein de souvenirs, d'histoires à raconter. C'est toujours plus sympa de partir à deux. Voilà, comme ça, on vit vraiment l'aventure à deux. Quand on vit l'aventure tout seul, bon, on a beau raconter aux autres personnes. Mais c'est vrai qu'en est deux, voilà, on peut se dire, tu te rappelles qu'on est allé le week-end là-bas, chez le Greg, en Camargue et tout ça. Donc ouais, franchement, ça a été un super week-end. Bon, après c'est sûr je pourrais pas faire ça tous les week-ends, la route c'est surtout long pour les chiens. On a fait 1200 km pour le week-end, donc entre l'aller-retour et puis après sur place sur la chasse. Après les chiens, je suis vraiment vraiment fier d'eux, voilà, avec la route qu'ils ont pu faire. C'est vrai que c'est pas super agréable peut-être pour eux pour passer autant de temps dans la voiture, mais une fois lâché directement en mode chasse, et y a rien à dire, franchement y a rien à dire. Pour découvrir ces territoires-là, c'est vrai que c'est une chance, c'est une opportunité que je remercie Greg. Donc voilà, si tu regardes la vidéo, merci Greg. Merci Timo qui t'anime, parce que voilà, c'est trois personnes qui y chassent, donc Yannick, Sylvain et Greg, vous êtes voilà, des superbes personnes avec vraiment ces valeurs très 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 propres. C'est la chasse pour le chien et le copain, donc tout ça c'est super. Et partout où on est allé, vraiment j'ai ressenti ces mêmes valeurs, donc ça fait super plaisir de voir ça, et vraiment super plaisir de pouvoir découvrir des territoires que j'aurais pas eu l'opportunité de découvrir si j'étais pas présent sur le réseau, et j'aurais pas des personnes comme Greg pour pouvoir ouvrir des portes. Donc franchement ouais, et la saison prochaine je veux plus voyager, je veux plus me déplacer, je vais essayer de faire ça une fois par mois, hein, découvrir d'autres régions, amener les chiens et voilà, les voir chasser dans d'autres biotopes, essayer vraiment de les forcer à pouvoir chasser dans n'importe quelle région de la France. Et surtout pour l'eau, j'étais vraiment impressionné par les chiens pour l'eau, parce que par chez nous, le petit ruisseau, ça peut les faire peur, ça peut les bloquer, que là-bas, ils ont nagé toute la matinée, donc franchement super. Enfin, je désinfecte toutes les pattes, à bétadine tout ça, parce que bon, ils ont vraiment les coussinets ramollis avec la flotte. Donc un peu coupé ici et ça, donc j'ai désinfecté tout ça. Je vais remettre un coup lundi, mardi, puis dans la semaine je vais surveiller tout ça pour que ce week-end en Dordogne puisse être au top. Et voilà, donc j'espère que j'ai pu vous montrer le plus possible. Pas toujours facile, de comme j'ai dit sur le vlog précédent, de tout faire. Là, j'ai vraiment essayé de mettre plus de choses en place. Moi, j'ai acheté un petit appareil supplémentaire pour essayer de donner plus de qualité au vlog et tout ça. Donc voilà, vous me dites ce que vous avez pensé. Et comme je dis, l'année prochaine, j'espère faire... Je vais faire ça plus souvent. Donc une fois par mois. Donc tenez-vous prêts. Je vais vous faire découvrir d'autres régions. Et puis même l'intersaison, j'ai envie de voyager, voir d'autres paysages, d'autres terroirs, bien bouffés, bien picolés, en toute modération, attention. Mais voilà, j'ai envie de voyager. La France est tellement belle, elle est si belle que ça mérite d'être découvert. Et vous amener, quoi. Vous amener. Donc vous me dites si ça vous a plu. Et puis on se dit très très vite. Mais normalement, le vlog ce week-end en Dordogne. On va essayer de chasser, mais déjà fin février, puis on verra en mois de mars, selon les dégâts, selon la population, voir si on y chasse ou pas. Donc il y aura encore quelques vlogs chasse en Dordogne. Allez, la bise au chien.